Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour la suite de ce walkthrough de Walking Dead. Alors on a découvert un nouveau groupe, un petit peu une présentation à la Fear Walking Dead. J'ai bien aimé la présentation, pas de problème, pas de difficulté de Telltale. Un personnage principal, Ravière, qui est entouré par une fille à peu près de son âge qui s'appelle Kate, puis deux jeunes enfants, je crois que c'est Gabe et Mariana, mais je veux pas dire de bêtises, hein, donc on verra bien parce qu'il n'y a pas de codex, donc c'est à peu près ce que j'ai compris dans l'histoire. On a une présentation un petit peu à la Fear of Walking Dead, c'est-à-dire les gens qui découvrent la contamination, des zombies, un Ravière un peu jeune et insouciant, et là qui est apparu un peu plus âgé parce qu'il était responsable d'un groupe. Donc ça m'a l'air d'être un personnage qui va être chouette à suivre et à comprendre. Alors j'ai découvert le trailer lancement, donc je sais maintenant quel featuring va intervenir. Donc maintenant je remercie Monsieur Jaska pour Jésus, qui est pas forcément bien Ressus, qui est pas forcément bien modélisé, on va dire. Mais bon, ça c'est un autre problème. On verra bien un petit peu comment ils le font. On se vous aviez un choix, fumette ou pas. Je remercie Lulu de m'avoir fait un petit commentaire, hein, pour le petit pouce vert clair et net. Et puis, on va se retrouver pour la suite de ce walkthrough. Hein. On va avancer tranquillement, comme Batman. On se retrouve juste après, parce que je ne vais pas vous refaire faire vivre tout le truc. Je sais que le prochain arrêt, alors, cette personne m'a dit que ça serait un choix qui est proche de... un choix qui était dans la saison 1, dans l'épisode 1. Donc vous voyez à peu près ce genre, ceux qui ont fait le jeu, hein, vous comprendrez ou pas, l'allusion. Moi je vais essayer de mener mon enquête, on va dire, dans le jeu, et donc on comprendra bien. Allez, à tout de suite. You always do. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. Ah, donc je disais, pardon, on était au premier plan. Là, vous avez Ravière. Là, il y a Kate qui est en train de discuter avec lui. On a les deux qui sont au premier plan de la discussion. Tout simplement parce qu'on a une horde aux fesses, un petit peu l'équivalent de la saison 2 de Walking Dead avec Clémentine. Et puis, il y avait une horde de... Non, pas du tout, avec... je parle pour la série, excusez-moi. Vous savez, ils étaient en train de fuir une méga horde. Bon, bref. You really think we should be smoking now? Donc on verra bien. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. You want some? Alors, Monsieur Jaskier, t'as voté, évidemment. Yeah. Okay, sure. We are setting an awesome example. Don't judge me. Oh, when I found out David had kids, I told him I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but you know, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? Je pense qu'il est mort, hein, David, celui qui était grande gueule qui avait repris, je pense, Ravière. I suppose it did. Do you miss him? I think about that a lot. Honestly, I'm not sure. I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Oof. Gabe's making me start to think they had a point. Okay, Gabe est en mode rebelle. His mood swings are just... Oh, I don't know. Some days I just want to leave him by the side of the road. I'm joking. Bon, je vois qu'elle fume pas. Jesus, obviously. Gabe's been emotional lately. I'm sure he's just, you know, going through a phase. Emotional?
Right. That's cute. Look, I love these kids. But I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Mais he's a teenager. Puberty. Ah, c'est ce que hormones. Je pensais. Typiquement. Oh yeah. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. Je m'attendais pas à ça. What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Ça c'est assez gravelé Christ. Par rapport à une fille. I need to get laid. C'est des phrases surréalistes. I realized that was an awkward transition. Sorry about that. You know the kids can hear you. That's, no one wants to hear their parents talking about that. Stepmoms and uncles don't count. They're asleep. And besides, we're not really their parents. Still. What's that smell? It's gross. We're smoking weed, Mariana. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh my god. You're even smoking in the car now? Alright. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're okay. About to make a supply stop. On va aller dans une sorte de... On dirait le van de Scooby-Doo. Je sais pas si vous avez une idée de ça. Ouais, c'est plutôt bien. Je vois un petit peu le profil, quoi. Gabe, hashtag rebelle. Mariana, un peu plus sympa. Kate, qui veut pas trop assumer le rôle. Et puis Gravier au milieu de tout ça. Plutôt bien comme groupe, on va dire. Bon, désolé pour le chargement. C'est sur un disque dur externe. Et je préfère faire ça. Comme ça, ça me permet de parler tranquillement entre les transitions. Ouais. En mode OKLM. Donc on verra bien un petit peu ce qui va se passer dans cette vieille casse. Si j'ai bien compris le panneau, alors je précise, c'est toujours en live. Hein, c'est pour ça que vous entendez parfois ma respiration ou alors des bruits à côté. Je suis désolé, mais en même temps, j'ai fait ce choix-là. Donc, ça me permet de relativiser, on va dire. Après, si vous êtes vraiment gêné, je peux le passer. Hein, on a des sites. Walou. Ah. Tant que ça charge. Eh ben. On entend la belle musique. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de... Vous avez remarqué que les chargements, j'y touche pas. Hein. C'est les chargements actuels tels qu'ils sont dans le jeu. Je vous précise. Pour que vous soyez pas choqués et que vous me disiez pas ah ouais mais. Parce que souvent c'est une des critiques des jeux Telltale, c'est les chargements. Ça devrait se rapprocher puisque je vois que mon FPS varie hyper. Et le Claude. Ça fait penser à la caravane de Scooby-Doo. Mais en moins, swag. Ok. On va devoir explorer, je pense. Et c'est là où on va avoir des embrouilles. Ouais, j'aime bien les graphismes, hein. J'avoue que on voit un net progrès par rapport à toutes les productions de Telltale. On a vraiment affaire à un jeu vidéo presque une série Netflix. Quoi. Elle prie. You praying for our safety, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana. Not want. Really need a candy bar. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. All right.
Well, let's start with some gas and move up from there. Ah, séance QTE. Plutôt bien fait les QTE. On le sent qu'il gicle comme ça, c'est pas... GG. Hey, where are you going? Hashtag rebelle. Bon ben je pense okay, qu'on va dire cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us. But we're stuck with him, so... At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Bonne consigne. Good girl. Il est fort, Javier. Hein. C'est un personnage... Ok. Lampe. Ok, c'est du... Waste oil. No use to us. Après, j'ai beaucoup de variations de FPS hein, non, quand j'enregistre sur Fraps. Ok, il y a l'inventaire quand même, ce qui me fait plaisir à gauche. Ah oui, d'accord, c'est le QTE. Okay. Acetylene. Handy for welding, but not much else. J'ai une énorme variation, je vais pas vous mentir. Once this car made someone very happy. Now it sits here, rotting away. On va essayer de siphonner. Así es la vida. Ainsi va la vie. Ok, il y a des zombies. Bon bah on va essayer de siphonner. Ah, not much. But every bit helps. Sinon l'animation, la marche. That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Sympathique, hein. La marche, ouais, ça se fait comme ça, quoi. C'est pas Robur le robot de la saison 2. On va siphonner. D'abord, on va regarder. Tiens, il y a Gabe en mode rebelle en haut à gauche, là. I wouldn't have minded having one of these back in the day. Non, 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 je voudrais siphonner celle-là. Come to Papa. Voilà, on va parler avec le rebelle. Barely anything. I'll need to find more. Ugh, I don't think these tires would fit the van. What's going on in there, buddy?
I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but it won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just, we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages. Okay, il veut un gros pli. And then, it ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Belle exploration en tout cas. This one looks promising. Ouais, c'est classique. Bingo. On va aller vers l'échelle. Ouais, c'est plutôt bien fait, hein. Bonne chose, l'ambiance est un peu là, Outlast. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Ouais, je trouve que tout ce qui est organisation est vraiment comme la saison 1, hein, plutôt bien. Ouais, je pense pas que c'est un choix, ça, les amis. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Ouais. Oh, all right. Je pense que c'est pas simple pour... Ok, j'espère que le chargement va être un peu plus... Un peu plus rapide, les amis. Oh, c'est bien fait, hein. Voilà, j'ai rien à dire. Après, je préférerais un quiet moment, tranquille, au KLM, au coin du feu, mais bon. Je pense pas que c'est mes tests et c'est ma façon de... Mon Wokshu qui va être vu et qui va être qui va influencer le Telltale. Donc, c'est comme ça. En ce moment, en tout cas, je sais pas si vous voyez, il y a de nombreuses réductions et sur-soldes sur Life is Strange. Notamment sur D-Labs, j'ai vu plein de choses comme ça, donc si vous êtes intéressé, pensez à regarder régulièrement. Moi, je l'ai vu à moins de 10€ l'ensemble de la saison, voire moins cher. Voilà. Après, voilà, Gabe rebelle, désagréable, mais bon, qui va à mon avis être un personnage important. Tous vont être à mon avis des personnages importants. Déjà, ce qui est bien, c'est que à la différence de la saison 2, on prend le temps de les découvrir. Voilà, on voit Kate, voilà, Mariana qui est une gentille fille, peut-être un peu trop fragile, et encore un peu trop crédule. Mais bon, voilà, par rapport à la saison 2, on peut s'accrocher un peu plus facilement au personnage. Désolé pour la lenteur, hein, les amis. Il faut savoir que j'ai directement branché sur mon PC, donc ça veut dire que c'est vraiment... là, ça va arriver, là, vu le taux de FPS qui varie. Hey, look. There's one they never took to pieces. Ouais. Good catch. Ouvrir. Shit. It's locked. Ouais, bien fait ça. Alors, je précise, c'est typiquement à la Silence, hein. Yeah. Pour ceux qui n'aiment pas Silence, le jeu que j'avais testé. C'est-à-dire conceptuel et cliqué au bon moment. Look at all that fuel. Il va y avoir, à mon avis, des zombies. At least it had some gas. Shit. Bon, bah du QTE. Oh
Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Il va y avoir des zombies, quoi, des morts-vivants à l'appel, à mon avis. Pas mal. Locked. Il doit y avoir des réserves, c'est des putains de réserves, ça. Des réserves. Might be able to get in through the hatch. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Looks pretty run down. On va essayer de sortir avec la trappe. Ok, on va enlever ça. Ça me rappelle la saison 2 de Walking Dead. avec Clémentine qui passait par en dessous la baraque. Désolé pour les références, hein. Bon, je pense que c'est pas, ça va être bientôt le choix là. Gabe, come check this out. Je vois le genre. Alors, je pense hein, que ça va être. Est-ce qu'on reste ici ou on reste pas ici? Parce que vous voyez, il y a de la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture. Not the cleanest place. Oh, no muertos at least. Peut-être qu'il va y avoir de la nourriture comme ça. Just be careful. Wow, this place is decked out. J'aurais peut-être pas dû parler avec lui. Des piles pour Yab Mariana. Voilà, ça par exemple, ça me fait plaisir, quoi, que qui est comme les piles dans Walking Dead saison 1. Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. Well, there's enough food in here to keep us going for a long time. Ouais, c'est à quelqu'un, ça. Ça pue. Oh, check it out. This is actual, honest to God, pudding! Seriously? And it's not just food. There's a mattress, there's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. This place does have a funny feeling about it. And if muertos were to somehow surround us. Great. J'aime bien les muertos. Donc en gros, c'est les zombies. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. Ok, alors là, je sais les choix. Vous avez compris, les amis. It would be nice not to sleep in the van. À la saison 1, l'épisode 1, l'un des premiers choix, c'était de rester dormir avec Clémentine ou de partir de suite. For a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. On doit continuer, on restait toute la nuit. Bon, moi, je serais allé vers on doit continuer, mais vous faites comme vous voulez, les amis. Parce que je pense que là, quels que soient les choix, de toute manière, je pense qu'on aura des embrouilles. Donc, Why can't we just enjoy it? Javi? Cam? Donc on se retrouvera en cours de semaine, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je pense mettre cette vidéo dimanche et puis je vous laisse le choix. Est-ce qu'on doit dormir tranquillement dans cette on va dire caravane aménagée ou partir assez vite, sachant que je pense que j'aurai pas forcément le choix, donc ou alors il y aura des embrouilles qui arriveront assez vite. Prenez soin de vous les amis, puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Tchuchus.
Donc on se retrouvera en cours de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je pense mettre cette vidéo dimanche et puis je vous laisse le choix. Est-ce qu'on doit dormir tranquillement dans cette on va dire caravane aménagée ou partir assez vite, sachant que je pense que j'aurai pas forcément le choix. Donc ou alors il y aura des embrouilles qui arriveront assez vite. Prenez soin de vous les amis, puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Tchou-tchou. Donc on se retrouvera en cours de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je pense mettre cette vidéo dimanche et puis je vous laisse le choix. Est-ce qu'on doit dormir tranquillement dans cette on va dire caravane aménagée ou partir assez vite, sachant que je pense que j'aurai pas forcément le choix. Donc ou alors il y aura des embrouilles qui arriveront assez vite. Prenez soin de vous les amis, puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Tchou-tchou. Stretch out. Et ben on va